s'arrêter comme j'en rêvais depuis si longtemps. Ma décision est prise, je vais la longer en vélo, même si cette disparition me paraît très exagérée et même impossible. Ma fascination pour la Loire ne date pas d'hier. J'ai grandi près d'elle, plus en aval. Puis je l'ai franchie chaque jour à bicyclette, la prenant ainsi par tous les temps. Toujours différente. J'avais un faible pour son habillage couché de soleil. Mais son costume petit matin calme me plaisait aussi. Quant aux jours sombres, ils allaient de pair avec mon humeur, à moins que ce ne soit l'inverse. Les écrivains ont parfois tendance à parler du fleuve Loire comme d'une personne. Dans le roman de la Loire, Pierre Bernard écrivait « Je sais une rivière séduisante aux rives captivantes. Elle charme l'esprit et les sens. Elle délasse le corps. » On l'appelle Ligère, du nom de la déesse Ligéria qu'on y rencontre.